Comment les potes, c'est Super Dimix, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui en compagnie du poteau Djorkaf. Comment ça va frérot? Bah écoute, ça va nickel, hein, tranquillement, pour une vidéo tous ensemble. Enfin, juste toi et moi, mais avec toi. Ouais, tous ensemble. Ce serait cool dans l'émission de TF1, hein. Bref, les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très très spéciale. Bon, j'habitue les abonnés de Djorkaf aux vidéos très très particulières. Oui. On va faire donc une draft Euro 2016, je vais te laisser expliquer un petit peu le concept, Joe. Alors là tu me prends un peu comme ça. Ah, je te prends de court. Un peu en retraite là dans le dos, mais et vas-y, on va partir là-dessus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une draft Euro 2016. On ne pourra choisir que des joueurs qui appartiennent au pays qualifié pour l'Euro 2016. Si malheureusement dans les 5 joueurs qui nous sont proposés, aucun joueur n'est dans un pays qualifié pour l'Euro, on devra prendre le premier. Et on devra bien sûr avoir la meilleure note en draft. Et celui qui aura la meilleure note, il aura gagné. Et celui qui aura perdu, il aura un gage, un fucking gage. Exactement les frérots. Donc le but du jeu, c'est d'avoir en gros la meilleure note, donc collectif cumulé plus la note de général. Donc bah voilà moi frérot, je pense que tu es prêt. Oui, je suis prêt, je pense qu'on peut attaquer, on peut attaquer, c'est parti. On lance notre petite draft. Comment? Bon alors, t'as pris ton dispo? Alors le dispositif il est juste là. Attends. Je sais pas quoi prendre, moi je me tâte, hein. Moi je vais partir sur une défense. Allez, moi je suis un fou. Je vais prendre avec le maximum d'attaquants, je prends un 3-5-2. Et moi je vais prendre donc un 3-4-1-2. Voilà. Tout simplement. Allez, on est parti. 3, 4, 1, 2. Donc, moi, le capitaine vient de tomber. Ok. Oh là là. Et c'est bon. On a des joueurs. On a deux joueurs. Est-ce qu'on se dit les joueurs ou on attend à la fin? On peut jouer un petit peu là-dessus. On peut même jouer au bluff, hein, tu vois. Moi, on peut même jouer au bluff. Comment ça, au bluff? Bah, je sais pas. Je te dis, j'ai du Ronaldo là, par exemple. Ah, bon, c'est donc le meilleur joueur de l'Euro. C'est quand même un bon petit point. Bon, moi, ça va, je suis pas dégueulasse, j'ai Royce 88. C'est quand même de la merde. Donc... c'est quand même de la merde, exactement. Donc, moi, on va continuer, on va enchaîner. Non, on va jouer le collectif, faut jouer le collectif. On enchaîne, hein, frérot, on enchaîne. Ouais, moi, j'ai un petit tots, là. J'ai un petit tots. Alors, par contre, là, j'ai pas te mentir, la nationalité, je vais aller vérifier s'il est à l'Euro ou pas. Ah, le mec ne sait pas, hein. Le mec connaît pas... un peu bancal niveau géographie. Ouais, ça. Alors attends, on va regarder ça. J'ai eu 3 au bac. It's been a long way without you, my friend. Bon, alors moi là, mon buteur, là, mon deuxième buteur, les gars, j'ai le choix encore entre deux. Et je pense que le plus intéressant, ça reste ça reste lui quoi, hein, on avait compris, à un moment on bégaye comme ça. Moi par contre, un peu dégoûté, il est pas à l'Euro le toss que j'ai eu donc. Ah, il est pas à l'Euro! C'était illicite, il est pas à l'Euro donc je vais prendre Andy Carroll. C'est moche. Donc nous on enchaîne les frérots et donc là, la plupart des joueurs sont à l'Euro si je me trompe pas. Oh là là, ça tape des ouh comme ça, je suis pas bien frère. Non mais sincèrement, j'ai un joueur, il sera pas à l'Euro mais il est dans ma nationalité donc Benzema, tu vois. Ah! Ça coûte. Bah, tu le prends! Je prends, voilà. Petit lien avec Ronaldo, ça sent mal pour toi, ouais. Niveau note de collectif. Hein. Ouais, mais moi, je vais pas te cacher que ça va, on n'est pas dégueulasse non plus, frérot, alors commence pas à t'enjailler comme ça. Tu restes un peu mystérieux quand même, je vais pas te mentir. Ah, non, mais je suis mystérieux, de toute façon, je suis un peu un youtubeur mystérieux. Ouais, on le sait, Dimitri, youtubeur mystérieux, sur ta bannière. Ouh, du tots! Ouh, du tots, mon frère! Et c'est qui? Je te dirais pas c'est qui, frérot, mais en tout cas, c'est de l'Euro 2016, mon pote. Ah merde. Je pense pas qu'il sera sélectionné parce qu'il est blessé. Putain, moi j'ai un. Mais c'est du tots, mon frère. Moi j'ai que des tots algériens, gros. Ça, on prend cash. Enfin, après, pour le collectif, c'était pas si bon que ça de le prendre au final. Mais bon, c'est quand même pas mal. Ah, le mec il est deg. Ah, mais t'as m'énerve parce que là tu touches du tots et là je me sens pas bien parce que là je viens de choisir un joueur à 70 de général non rare. Ouh, mais c'est nul. Alors là, j'ai le choix en fait entre deux français là pour le MOC. Alors je sais pas lequel prendre. Même si j'ai ma petite idée, hein, parce qu'il faut jouer la note, etc., etc. On va prendre notre héros national qui a été le premier à être sélectionné par Didier Deschamps. Morel. Voilà. De qui? Morel. Non. Ah, Morel. Oh, le Morel. Il l'a sorti cash comme ça. Non, par contre, moi, je précise, pour ceux qui regardent mon truc. Deuxième toss, mon frère. Moi, je précise juste, je vise le collectif et je vise pas trop, on va dire, la qualité des joueurs. Donc, c'est pour ça que je prends pas forcément les meilleurs. Juste comme ça, on se fait d'accord. Je m'en bats les couilles, frère. Moi, j'ai deux tots. Oui, mais qu'on ne sorte pas, parce que pour l'instant, j'ai eu des tots, mais ils sont un peu bancals, donc voilà. Ah non, mais tots, tu veux se dire, ils ont 89 et 88 de gêne. Ah oui, mais bah voilà, j'ai perdu. Non, c'est pas des tots bancals. J'ai perdu, bah. Non, le collectif, je suis pas bon après. Le collectif, je suis pas bon. Ah voilà, t'as pris les meilleurs joueurs.
Non, j'ai pas pris les meilleurs joueurs non plus, frère, parce que. Mais lui, il y a un truc qui dit non. Je te laisse le suspense. Vas-y, laisse le suspense, là je passe au défenseur, moi personnel. On va perdre, mais regardez ce que j'ai eu là actuellement. Tu te dis, Joe est dans la merde. C'est le malaise. Moi je pars pour les remplaçants. Je demande du respect. Tu t'en es où, frère, dans l'équipe? Là je suis au gardien. Après j'ai. Ouh, okay. Ça c'est sympa. Donc on attaque les petits remplaçants ensemble. Comme ça, je t'attends. Vas-y, attends-moi, je suis au taquet, je te bouffe. Attends. Je vais te baiser, gros. Même pas la pression. Bon. Pas la pression. Non, j'ai pris mauvais joueur. Putain, je me déteste. Franchement, les gars, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça va. Au niveau note de gêne, après en collectif, faut essayer de l'améliorer, ce petit collectif-là qui est pas super bon. Allez, on part sur les remplaçants. Trêve de blabla, parce que moi j'ai besoin de mieux. J'ai besoin de mieux là, je suis pas bien. Ah, c'est bon, le mec il. Ouh. Allez, toi, c'est nickel. Oh mon pote, alors là j'ai un choix de dingue parce que j'ai le droit de prendre tous les gardiens que je veux. J'en ai marre de tes ou, j'en ai marre. Dès que j'entends un ou, ça me fait. Bon, j'ai du 92 de général. 92 hein, par exemple, gardien. Allez. Donc mais bon, je suis pas sûr de le prendre parce que ça m'intéresse pas spécialement. Hein. D'accord, je viens de faire une erreur. J'en fera. J'ai pris Navas, mais c'est pas grave. On fait comme si on n'avait pas vu. Je le mettrai pas dans l'équipe. Voilà. Ah, il a fait une erreur le duo. J'avoue, parce que j'ai vu Real Madrid. Je me suis dit, nickel pour l'équipe. Allez, on continue. Ouh, c'est quoi cette chatte, les frérots? C'est quoi cette chatte? Par contre, cette carte-là, normalement, devrait être Bayern Munich. Elle aurait pu être Dortmund, mais bon, c'est quand même un très bon joueur qui va faire justement le lien avec le pari qu'on a pu faire avant. C'est plutôt cool, les gars, on take. Et là, c'est une draft 100% euros. Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils y sont? Je crois que j'ai tâche. Je bégaye, frérot, parce que j'ai encore du TOTS. Mais je suis pas sûr qu'il rentre dans mon équipe, tu vois, donc je pense pas le prendre. Je suis pas sûr de le prendre, frère. Moi, est-ce que je prends lui? Là, vous le voyez, les mecs, j'ai un choix cornélien avec que des gros joueurs, mais en même temps, vous savez que je tente sur ce championnat-là que je vous montre actuellement. Donc, ouais, on va quand même prendre lui pour le championnat. Bon, les frérots, moi, je vais prendre lui, là, hein, celui que vous voyez, parce que je pense que Arnautovic, Dodds, on va le dire, je pense pas que ce soit le meilleur choix à prendre, sachant qu'on a... On a ce petit joueur-là qui peut nous faire des liens un peu plus sympas. Ah, oui. Oh mon pote! Oh mon pote! Ah là, t'es pas prêt. Bon, je te le dis, Ronaldo 97. Bon, ouais, voilà. Je suis pas prêt, tu peux le dire. Mais je vais pas le prendre. Bah, bon, allez. Je vais te surprendre, je vais... Allez. Non, mais je vais pas... Non, mais je vais être gentil avec toi, je vais pas le prendre, frérot, parce que je pense qu'il y a un choix plus judicieux. Hein. Celui-là, les gars, vous le voyez, on va remplacer le buteur qu'on a déjà en haut. Et... Bon, j'ai merdé. Oh, le mec, il merde. Il fait que merder, quoi. Non, mais là, il va falloir refaire la vidéo, frère. Ah non, mon pote. Les trois joueurs ne sont pas de l'Euro 2016. Eh, mais gros, tu les mettras dans les réservistes, mon pote. Ça compte pas pour la note ni le collectif. Oui, mais je suis con, je suis pas concentré aussi. J'ai deux de QI, mon frère. Bah, fais ou comme autant que tu veux, c'est pas grave. Refais-le. Non, mais c'est bon, gros. Et moment. Ok, bon. Je choisis mon entraîneur, c'est parti. Allez, vas-y, on est parti pour l'entraîneur. Hop, et on dit qu'on on clique. Voilà, pour voir la note globale et voir celui qui aura remporté. On va prendre l'entraîneur le mieux qui peut nous apporter un peu de collectif. Et je pense que ça va être celui qu'on a pris. C'est celui-là. Hop là. C'est donc celui-là. Allez, j'appuie. C'est parti, j'appuie. Les frérots, on termine donc avec cette note-là. Bah. C'est plutôt pas mal, c'est correct. Bah. À entendre Djorkaeff qui fait de la merde depuis tout à l'heure, je pense qu'on s'en est bien sorti. Voilà, Dimix bégaye hein, jusqu'au bout, hein, frère. On est bah là, écoute, je te lis, je te laisse dire ta note, me dire ta note. Je commence ou tu commences? Je préfère que tu commences, je pense que c'est plus drôle dans ce sens-là. Ça sera drôle, ouais. Tu penses? Mais ça pourrait être drôle aussi. Attends, ça se... Non, de toute façon, le mec, il me fait... Depuis tout à l'heure, ça se trouve, il me fait dire de la merde. Ça se trouve, il y a une draft de ouf. Je te vois bien avec une draft de ouf. Ah, le dilemme. Là, vous êtes de votre écran. Vous savez pas, vous savez. Ah, vous savez pas. Enfin, si, eux, ils savent, mais moi, je sais pas, en fait. Il y a que moi qui est dans le dilemme. Frère, vas-y. 180 de notes de gêne. 180 1. 181 Ouais. Mais c'est nul. Sérieux? C'est pourri. Non. Non, je déconne. J'ai 161. Ah, au 20 points, je t'ai battu, ouais, frère. Non, on t'applaudit. Ah ouais, t'as bégayé de ouf. Non, j'ai bégayé, ouais, parce que moi, je peux enlever le résumé de la draft. J'ai pris 4 joueurs, ouais, qui n'étaient pas euro. Mais voilà, après c'est... Ouais, du coup, ça t'a enlevé des grosses possibilités. Ouais, parce mais c'est que... le jeu, mais j'ai voulu faire le malin, j'ai voulu... Ouais, on rigole, tout ça. Et moi, quand même, j'ai quand même eu 3 tots, frère. Bah, les mecs, on se laisse là-dessus. La chaîne de Dimix, elle est dans la description. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Amusez-vous à cliquer, à vous abonner, tout ça. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sous peu. Peut-être avec Dimix, peut-être sans Dimix. Je vous cache pas qu'il y a plus de probabilités que ce soit sans Dimix. Mais... Oh mince. Voilà. Bon, allez, les mecs. Ciao. Ciao.
Hey, tu es fan de Super DMX? Alors retrouve ses plus belles onomatopées tout de suite dans un super best-of. Pose un like.